a été préparé depuis décembre 2015. En décembre 2015, le commandant Christopher Wells de la Cunard est venu chez nous à Saint-Nazaire pour étudier la faisabilité éventuelle de faire venir le Queen Mary, faire revenir le Queen Mary à Saint-Nazaire. Il est venu à notre simulateur à Nantes, simulateur des pays de la Loire, pour en valider ou non la faisabilité. Alors pour moi, le Queen Mary 2, mais pour beaucoup de personnes à Saint-Nazaire, est un navire symbolique. Et pour ma part, je suis rentré à la station de pilotage de la Loire en 2002. Le Queen Mary était justement en construction et a été livré un an plus tard. Donc aujourd'hui, le fait qu'il revienne et que ce soit moi qui le pilote donc pour l'entrée comme pour la sortie a été effectivement un effet marquant. Et je pense que dans toute ma carrière, ce sera l'événement que je me souviendrai le plus.